Bonjour à tous les amis, très content de vous retrouver sur ce week-end pour continuer notre petit tour des sélections pour l'Euro. C'est vrai qu'on a commencé avec l'Allemagne, le PIO, donc on va un petit peu poursuivre jusqu'au lancement de cette compétition. Et mine de rien, bah ouais, c'est dans moins de deux semaines, donc ça va arriver très très vite. Donc histoire de se projeter un petit peu sur ce qui nous attend en Allemagne, sur les favoris, sur les équipes à suivre. Donc ça va être super intéressant. Désolé pour le léger retard, mais voilà, on, on, pour tout vous dire, pour vous mettre dans le secret on planifier un petit peu le 11 idéal type de l'Italie avec mon invité comme ça on voulait être le plus perfectionniste possible et essayer de vous montrer bah, l'équipe qui pourrait euh, être justement cette squadra azura. Je l'ai dit, on va donc parler aujourd'hui de l'Italie tenant du titre mine de rien en 2021. Donc voilà une équipe à ne pas sous-estimer mais on sait qu'avec voilà l'absence au Qatar avec peut-être une qualification un petit peu difficile, euh, le, le cycle entamé par Spalletti, il y a quelques incertitudes mais on va pouvoir un petit peu se projeter sur cette équipe. En plus, il y a un groupe B qui va être très relevé avec l'espoir la Croatie et l'Albanie. Donc on va essayer de s'arrêter aussi sur forcément les grands absents, les les Verratti, les immobiliers est-ce que c'est justifié euh, Voilà, se projeter un petit peu sur l'avenir de la Squadra Zura. on sait qu'on parle beaucoup euh, d'un problème de vivier, de l'absence de gros gros talents. Est-ce que l'Italie peut, peut est-ce que l'Italie peut au final se passer de ce type de joueur Ça peut être aussi une question euh, voilà pertinente comme d'habitude sur le chat, je vous vois. Donc n'hésitez pas à, à bah, voilà, partager vos questions, euh, vos anecdotes. Est-ce que voilà pour vous l'Italie, je vais mettre rapidement un sondage est-ce que pour vous l'Italie Peut, euh, créer de nouveau la sensation et qu'on s'est ça va être super intéressant. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas seul, comme toujours, pour faire euh, ces émissions de présentation. aujourd'hui je suis accompagné de l'excellent Elvin Defazio, euh, journaliste à 90 Minutes euh, FR et puis qui suit euh, très attentivement l'actualité de la Juventus, mais aussi de l'Italie. Comment tu vas, Elvin Bonjour à tous, salut Sipion, et puis euh, quel maillot Maillot de Barry, comme ça, c'est fabuleux, incroyable, même si la saison de Barry n'a pas été simple. Oui, parce que je n'ai pas de maillot de l'Italie dans euh, ma penderie, euh. peut-être un traumatisme de 2006 qui n'a toujours pas été évacué, mais par contre des maillots hipster d'Italie parce que j'ai ça et j'ai aussi Pescara. Mais bon, c'est vrai que ce petit maillot de, de Barry euh, il ressort très très bien. Mais ouais, comme je disais, ça fait ça fait super plaisir de te recevoir. Tu es assez actif euh, sur les réseaux, tu parles souvent voilà, de la Juventus et euh, de la Serie A. Mais comme je te le disais, en plus, euh, ce qui est intéressant, c'est que nous deux, on a déjà fait euh, une émission sur la Juve. Euh, on t'a beaucoup reçu sur hors jeu pour parler de la Serie A. Mais ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est d'avoir euh, ton, ton regard sur euh, cette euh, équipe d'Italie. Donc, euh, je pense que j'ai hâte d'en savoir plus. Eh ben avec grand plaisir, parce que oui, la nationale, c'est une énorme partie de, de, de ma vie, j'ai envie de dire, en tant que fan de, de foot. Puis, j'espère revivre les sensations de 2021. Il y a plein de choses à dire sur cette Italie. Donc, accrochez-vous bien, parce que ça risque d'être intéressant. Ah, bah écoute, euh, j'ai hâte, on est ensemble pour vous situer à peu près sur une bonne heure, histoire de voilà de passer en revue vraiment ligne par ligne euh, la liste. Euh, j'ai préparé, voilà, comme d'habitude, tous les éléments pour un petit peu se, se plonger euh, là-dessus. Mais euh, pour démarrer, euh, Elvin, comme d'habitude, la question que je vais poser à tous mes invités sur ces émissions euh, Focus Euro est-ce que selon toi, l'Italie peut remporter l'Euro 2024 Et du coup, est-ce qu'elle peut conserver son titre Est-ce que là, l'étoffe voilà, de, de faire ce, ce, ce doubler ah, honnêtement, je te dis non à l'heure actuelle parce que c'est une équipe, voilà, avec beaucoup d'incertitudes qui est en phase de reconstruction. Il y a des équipes bien plus préparées, bien plus fortes. Même en face. Mais on l'a dit, depuis, on... Allez, depuis 2012, l'Italie à l'euro, c'est à chaque fois de, de très bonnes compétitions, soit des finales, soit des éliminations parfois imméritées, comme en 2016, soit jusqu'au titre en 2021. Donc il euh, faut faire attention à l'Italie. Je ne la vois pas gagner, mais en tout cas, c'est une équipe à ne surtout pas sous-estimer parce qu'il y a cette, euh, ce petit truc que la nationale a depuis une, euh, presque 15 ans avec l'euro. Non, c'est super intéressant. Et justement, euh, comment t'expliques euh, cette différence entre euh, l'Euro, justement, où, comme tu l'as dit, bah, il voilà, y a une équipe qui est assez performante. Euh, la finale contre la Grande-Espagne du début des années 2010. On se souvient aussi de l'épopée euh, 2016 avec Conte où une équipe qui était bah, euh, saluée par beaucoup parce que c'était joueur et c'était très intéressant jusqu'à amener euh, bah, l'Allemagne championne du monde en titre euh, au tir au but à ce succès de 2021 qui était très très bien construit. Là aussi, est-ce que finalement par rapport au Lyon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un sentiment euh, peut-être comme l'Euro, on dit toujours que c'est plus difficile, peut-être que l'Italie se met un peu plus en, en situation. D'Aumur, au mur, est-ce que les qualifications c'est devenu aussi pas euh, bah, une sorte de traumatisme Mais comment t'expliques que euh, cette, cette différence euh, mine de rien ben, je pense qu'en en fait en Coupe du Monde il y a un cas qui s'est créé, il y a eu de la peur, beaucoup de pression euh, sur sur l'Italie parce que ben, c'est l'une des nations les plus les plus mythiques du foot et c'est vrai que après 2010 l'élimination etc. On l'a vu en 2014, l'échec, et ensuite, évidemment, les deux, les deux non-qualifications de suite. Il y a une sorte de peur qui s'est créée avec beaucoup, beaucoup de pression, ce qui fait que derrière, euh, ça a engendré des, des résultats catastrophiques. Après, ça n'excuse pas le fait que l'Italie euh, ne s'est pas qualifiée. Et une nation comme ça doit absolument se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais il y a peut-être plus de tranquillité. Il y a une approche différente avec l'euro. Et comme on dit, gagner aide à gagner. C'est vrai qu'avec l'euro, les approches positives fait qu'il y a eu des bulles positives qui se sont créées. C'est vrai que bon, on voit une énorme différence. Je ne saurais pas te dire le facteur pourquoi en Coupe du monde et en Euro il y a une telle différence. Mais on va dire que avec le championnat d'Europe il y a une attitude différente, même d'un point de vue mental. Ouais, C'est vrai que Thibaut rappelle le, 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 le penalty de Zaza. C'est vrai que ça avait été euh, parmi les moments euh, un petit peu marquants euh, de, de l'Euro 2016. Et, et justement, euh, euh, trois ans après. Qu'est-ce qui reste selon toi de ce succès à l'Euro 2021 Parce que comme je l'ai dit, on est passé par des moments difficiles. L'absence au Qatar, cette qualification qui a été euh, un peu à la rage. Je me souviens d'un match compliqué contre l'Ukraine où l'Italie tient le 0-0 et ça a été rude. Je me souviens vraiment que ce pas évident. Trois ans après, Mancini est parti. Il y a encore beaucoup de joueurs qui sont dans cette équipe. Hein. Mine de rien, on verra dans l'ossature des, des titulaires qu'on retrouvera euh, voilà, un, un Donnarumma, un Barella, un Chiesa. Mais euh, d'après toi, trois ans, qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette équipe euh, actuelle de de la squadra de ben, Finalement, il ne reste pas grand-chose. Euh, je m'explique. Déjà, l'entraîneur, évidemment, a, a, a changé. Il y a une grande partie de l'effectif qui a changé. C'est-à-dire que les joueurs d'expérience... Les gros joueurs d'expérience ne sont plus là. Il n'y a plus Ptellini, il n'y a plus de, 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 de Bonucci, Verratti, par exemple, qui était avec la nationale et depuis longtemps euh, n'est plus là. Donc, il y a une énorme reconstruction qui s'est créée depuis. C'est pour ça que il y a beaucoup de points d'interrogation en vue de cet euro pour, pour l'Italie. Mais là aussi, comme tu l'as dit, il y a encore quelques petits joueurs qui sont là, notamment Donnarumma, Chiesa, qui vont devoir emmener cette, cette équipe-là. Mais honnêtement... On doit être très très concret là-dessus. L'Italie a beaucoup changé, beaucoup beaucoup changé, et ne reste finalement pas grand-chose depuis 2021, même si finalement, c'était il n'y a pas si longtemps. Mais entre-temps, il y a eu quand même ce, 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 cette catastrophe de Coupe du Monde, et une réaction d'un point de vue de l'institution, d'un point de vue du, du, euh, de, des choix drastiques devait avoir lieu. C'est vrai qu'elle a eu lieu parce que l'effectif a globalement énormément changé, et quelque part, ça va de soi, parce que l'Italie doit aussi changer de génération, et ça passe par des choix dans, dans, dans l'effectif. Ouais, justement, on va y venir petit à petit sur ce euh, cette régénération. Mais tu l'as dit, il y a aussi eu des changements euh, un petit peu internes et bah forcément, j'ai envie de t'interroger sur le coach. On est quand même sur un Luciano Spalletti qui sort de ce titre euh, à NAB, qui a conquis beaucoup de monde, c'est un coach qui est très expérimenté par ses passages à l'Inter, à la Roma. Euh, toi, d'abord, avant de juger ses, ses premiers pas avec euh, l'équipe d'Italie, comment est-ce que tu as perçu son arrivée avec vrai, cette fin de cycle pour euh, Mancini qui a été compliquée, son départ, lui, qui est désormais entraîneur en Arabie Saoudite et euh, L'arrivée de Spalletti au réolé de, bah, de ce magnifique sacre avec, euh, avec Naples ben, C'était une évidence, j'ai envie de dire. Parce que avec l'Italie, c'est vrai qu'il y avait ce point d'interrogation. Conte, Spalletti, conté Spalletti, Conte a déjà pris la nationale et c'est vrai que je pense qu'il avait l'idée de, de retrouver un club. Mais c'était une évidence parce que Spalletti sortait de la, la meilleure saison de sa carrière. Le sacre ultime, il, il ramène un scudetto à, à Naples, etc. Et puis ça se sentait que Spalletti attendait que ça. Je veux dire. Euh, il avait eu la possibilité de continuer euh, sous les ordres de De Laurentiis avec le Napoli. Il a décidé de ne pas continuer. Et quand vous avez l'appel de votre sélection, vous pouvez difficilement refuser. Et puis honnêtement, je pense que c'était le vrai moment. Euh, L'Italie avait besoin d'un coach comme Spalletti. En même temps, l'expérience, mais aussi des idées euh, neuves d'un point de vue tactique, passer au-delà de tout ça, prendre des choix drastiques. Donc honnêtement, je l'ai interprété d'une manière positive. Là, j'avais des doutes lorsque Mancini est arrivé. Au final, il a, il a quand même ramené l'euro. Là, de ce point de vue-là, j'étais très, très serein. Pour moi, l'Italie avait besoin de, de Spalletti. Je suis très content de, de la venue de Spalletti. Ouais, mais même moi d'un regard extérieur euh, en étant neutre par rapport à cette équipe je croyais que c'était une, bah, une vraie bonne pioche dans le sens où c'est vrai que peut-être avec euh, les clubs il avait fait le tour et il arrive à, forcément avec euh, cette espèce de, de notoriété où c'est vrai qu'il a fait gagner Naples où c'était quand même très très compliqué d'aller chercher une série A et c'est vrai que comme tu le dis en plus Paletti c'est un coach euh, au niveau de l'approche tactique qui a beaucoup de bonnes idées, des fois il n'a pas pu euh, aller au bout sur certaines de ses équipes, aller chercher des, des titres, je pense notamment à, à sa Roma euh, du milieu des années euh, 2000 qui était une superbe super équipe au-delà de Totti et des aussi, mais c'est vrai que c'est un coach qui, en Italie, ça, ça parle quoi. Parce qu'évidemment, on va peut-être beaucoup parler d'ancelotti, de de compter pour une génération plus récente. Mais c'est vrai que notre ami Luciano Spalletti, c'est quelqu'un bah, bah, qui compte dans le paysage footballistique en Italie. Et puis la légitimité. Quand il prend l'Italie, sort d'une saison folle. Hein. Enfin, je veux dire, au-delà du plan national, je pense que le Napoli de Spalletti a marqué entre guillemets l'Europe. Beaucoup imaginer limite le, le Napoli en finale de Ligue des Champions, rappelle-toi à l'époque. Bon, finalement, ils se font sortir face, à, face au Milan de Pioli, comme quoi dans le foot, il peut se passer de tout. Mais, mais, euh, mais, mais le Napoli était, était juste impressionnant. Techniquement parlant, c'était une équipe bien préparée. Tactiquement, Spalletti euh, voilà, a beaucoup, beaucoup progressé. Et puis, euh, voilà, je pense que, encore une fois, c'était une évidence. Euh, pile à ce moment-là, tu as ta sélection qui t'appelle. Il s'entoure euh, de personnes vraiment d'expérience, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il, il vient avec Buffon par exemple, qui lui prend sa retraite et directement accepte l'appel la, la, de Spalletti. Donc, euh, on va dire qu'il y avait tout qui, euh, qui, euh, qui cohabitait avec le moment actuel. Et je pense que, comme tu l'as dit, euh, Spalletti, c'était le bon moment pour prendre cette sélection. Justement, on va commencer à parler un petit peu de son, de son bilan pour l'instant, de ce qu'il a pu faire à tête de, de l'Italie. Donc, il a pris en charge euh, l'équipe euh, au, au début de, de la saison. Euh, on est sur huit matchs avec cinq euh, victoires de nul et une défaite contre l'Angleterre. Donc voilà, en Angleterre, euh, la qualification qui a été décrochée contre euh, l'Ukraine, les deux derniers matchs amicaux du mois de mars, c'était contre des équipes sud-américaines, l'Équateur et le Venezuela et eu des victoires. Euh, au niveau de ton impression, qu'est-ce que tu as ressenti sur euh, peut-être le début d'un style Spalletti Est-ce qu'il a déjà pu mettre sa patte au niveau de voilà, des, des choix tactiques, des choix de joueurs Est-ce que c'est c'est cet échantillon qui est assez restreint quand même parce qu'on parle que du match parce que ouais, il doit arriver dans un rôle de pompier, mais il y a quand même l'urgence de la qualification et de relever un petit peu euh, la tête. Comment est-ce que tu juges ce premier petit bilan Il y a eu des bonnes et des choses un peu plus compliquées. Alors, c'est pas simple d'abord pour un sélectionneur d'arriver comme ça dans une phase où tu as une équipe en reconstruction, tu as beaucoup de chantiers. Qui plus est, ça a été une période où il y avait des matchs tous les trois mois, il récupérait son groupe. Ensuite, il y avait, un, il y avait une autre phase de sélection trois mois après. Donc, c'est vrai que c'est pas simple pour travailler. Maintenant, on a vu des choix très clairs, notamment s'appuyer sur, sur Kéza, où Kéza était déjà très fondée un joueur fondamental dans, 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 dans ses choix de jeu, euh, une attaque, euh, des phases d'attaque de, de, rapide, euh, un milieu plutôt compact. Donc, euh, non, il y a eu quelques phases déjà très intéressantes. Après, comme je dit, c'est vraiment prématuré, prématuré. Et malheureusement, il va arriver avec à l'Euro avec beaucoup de points d'interrogation. Je ne vais pas te dire qu'il y a une patte Spalletti qui s'est parce que ça serait, ça serait mentir. Mais on va dire qu'il y a quelques petits indices de jeu comme notamment une, une Italie qui va vite vers, vers l'avant. Ouais, en plus, comme tu dis, il va, ça va arriver euh, sur 7 euros avec euh, quelles incertitudes, mais aussi euh, quel groupe. Hein on parle un, un petit peu du, du groupe de la mort. Est-ce que finalement, c'est pas une excellente nouvelle pour l'Italie Parce que comme on a dit, c'est une équipe qui aime bien euh, voilà jouer dos au mur, être arrivé un petit peu avec peut-être un, un statut. Euh, pas suite favori, mais qui peut surprendre, avancer masqué par rapport ben voilà, à l'Angleterre, à l'Allemagne, la France, le Portugal qu'on va annoncer favori. Et c'est vrai qu'on va le rappeler, ce, ce groupe qui est composé de la Croatie, de l'Espagne et de l'Albanie, est-ce que ce n'est pas au final la, la meilleure nouvelle pour euh, la squadrazzura oui, parce que généralement, quand tu affrontes des équipes comme ça, tu te mets, tu te mets au niveau. Je ne veux pas dire que quand, quand tu affrontes des, des, des Slovaquies, etc., des équipes un peu plus petites, tu ne te mets pas au niveau, parce que ça reste l'euro. Mais en tout cas, il y, y a une motivation différente. Tu te dis, euh, je suis dans le groupe le plus, le plus relevé, j'ai une petite pression, je suis tenant du titre. Il faut aussi montrer que l'Italie... Euh, est un pays de foot que, que je dois aller absolument en huitième de finale. Et puis encore une fois, tu affrontes l'Espagne, la Croatie, euh, l'Albanie. Euh, certes, il y a des équipes bien préparées dans ce groupe, mais l'Italie a toutes les caractéristiques, toutes les qualités, tout en main pour pouvoir passer. Première deuxième, je ne sais pas. En tout cas, euh, je, je pense que l'Italie peut et doit absolument se, se qualifier. Ouais, tout à fait. Bon, de mémoire, j'avais dit que l'Italie il y a deux murs dans des groupes relevés. La Coupe du 2014, ça n'avait pas été trop ça avec le Costa Rica, l'Uruguay et, et l'Angleterre. Mais on va voir. C'est vrai que peut-être que cette configuration euro, ça va un peu plus euh, les aider. Et justement, bah, on va commencer à rentrer un petit peu dans, dans le vif du sujet avec euh, cette liste qui a été euh, publiée de l'Italie. Euh, avant de parler peut-être en, en détail des, des absents, comment est-ce que toi, euh, tu l'as accueilli cette liste Est-ce que tu trouves que il y a des bonnes surprises Est-ce que tu trouves que les choix sont, sont cohérents par rapport Justement, à cette ligne directrice de, de Spalletti euh, qu'on qu a retrouvé, c'est vrai que je l'affiche pour redire un petit peu voilà, les, les joueurs clés. C'est vrai qu'on retrouve Donnarumma, on a euh, Calafiori euh, qui est récompensé de son excellente saison avec euh, Bologne, on a Foloruncho pardon, euh, du Hellas qui, qui est convoqué, Fadjoli aussi qui est revenu de sa suspension liée au Paris euh, qui a été directement euh, convoqué. Et on a cette attaque où il y a toujours des petits points d'interrogation, mais les hommes forts comme euh, Chiesa, Orsolini et euh, Scamaca qui sortent d'une belle comment est-ce que toi tu, as, tu as perçu cette liste euh, Je m'attendais pas de nombreux on va dire, choix drastiques, parce que je pense que dans une compétition comme ça, Spalletti avait besoin de s'appuyer sa, sur, sur des hommes forts, et en revanche, bah Spalletti il a, fait, il a fait vraiment des, 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 des choix costauds, par exemple tu l'as dit Fagioli, pour ceux qui ne savent pas, bah, il a été suspendu, donc toute la saison il n'a il 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 pas joué. Il y a un autre milieu, on va y revenir après, je ne vais pas le citer, mais qui n'est pas sélectionné, alors que c'était l'un des points forts de l'Italie lors de, du, du dernier Euro et, et lors du sacre. Il y a eu des convocations de joueurs qui n'ont jamais été convoqués, mais dont c'est mérité, qu'à la Fiori, notamment Cambiasso aussi. Alors, ce n'est pas sa première sélection, mais Cambiasso sort d'une saison fabuleuse avec, avec, avec la Juve. Donc, il s'est appuyé sur des points, des points majeurs, je veux dire, les Chiesa, des joueurs qui ont l'habitude d'être là, même des Bastoni, des Donnarumma, etc. Mais en y ajoutant euh, un sens de méritocratie avec des joueurs qui méritaient justement d'être rappelés, Donc euh, je pense que ça reste une liste cohérente. Maintenant, quand on regarde évidemment la liste de tous ces joueurs, ce n'est pas au niveau de l'équipe de France, ce n'est pas au niveau de l'Allemagne, du Portugal, etc. Il y a un, on le voit, il y, a, il y a beaucoup de difficultés à, à apporter des joueurs finalement de, de grande qualité. Mais il me semble que les choix de Spalletti sont globalement très cohérents. Il y avait Antoine qui demandait pourquoi Udoji n'a pas été sélectionné. Pour le coup, lui, c'est une blessure. Ça va être comme le cas d'acerbi qui était dans cette liste et qui va être forfait pour l'euro. Ce que tu me disais en off, c'est ça, c'est que Gatti aurait pu être convoqué, mais finalement, Spalletti a plutôt dit prépare-toi, mais pour l'instant, on part sur une liste sans remplaçant pour Acerbi ». Oui, c'est ça, ça. Pour Gatti de, de la Juve. Alors Dans les commentaires, je vois une méritocratie avec Cristante dedans. Il faut savoir que Cristante est un joueur qui est toujours appelé avec, avec l'Italie. C'est un point central de, de l'Italie, pas que de Spalletti, mais aussi avant. Donc C'est aussi pour ça que je n'ai pas cité Cristante. C'est que quand j'ai dit qu'il s'est appuyé sur des joueurs qui étaient déjà présents, Cristante en, en, en fait partie. Oui, oui, euh, comme le demande euh, notre ami euh, Ninor. C'est une pré-liste, oui, parce qu'il y a quatre gardiens. Euh, je crois que c'est une liste de 30 de mémoire. Donc, euh, si on enlève ça, pas. Serbie, il y a encore euh, trois joueurs à faire euh, partir. Donc, un gardien et après, euh, deux joueurs euh, de champ. Qui c'est que tu verrais peut-être euh, en, en moins euh, Alors, au milieu de terrain, c'est vrai que beaucoup voient Fadjoli. Mais au vu des paroles de, 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 du coach hier, j'ai l'impression que Fadjoli restera. Donc, si je, toi, je dois t'en dire un, je pense plus à Richie. Qui risque de, 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 de partir et derrière euh, j'imagine un défenseur central euh, sauté, je sais pas qui euh, mais un entre Bonjour euh, ou peut-être Darmian à la limite euh, partir mais c'est vrai que c'est un gros mystère un gros mystère parce que je, Spalletti va devoir faire des, un, un choix drastique et c'est pas simple pas simple non, Forcément, ça va être intéressant de voir euh, ses choix finaux. Voilà pour euh, Asmal, c'est Richie et Zakani euh, qu'il aimerait voir euh, sauter. Il euh, y a Lucas Juve qui pense que Yonto aurait mérité plus que Laurie le Raspadori. Donc, c'est vrai qu'il euh, y a quelques petits choix qui vont faire euh, un, petit peu, un petit peu débat. Et justement, on va, euh, avant de rentrer tu vois, sur les profits de cette liste, parler des absents parce que ça fait euh, toujours parler. C'est vrai qu'on avait fait l'Allemagne avec Hummels, euh, Goretzka ou Julian Brandt. Là, on a euh, quelques noms qui, sont, euh, qui ne sont pas là avec euh, forcément. Le, le joueur que tu as commencé à, à évoquer hein, c'est Locatelli qui a eu une réaction voilà sur les réseaux où il a mis un, un poste avec un écran noir pour euh, signifier bah je pense que ça, ça son immense déception on parle aussi de joueurs qui ont compté euh, dans l'histoire récente la Nazionale, peut-être pas au niveau des performances mais je pense à un immobilier qui était très souvent là à Marco Verratti, euh, voilà notre ami Lucas parlait de Nianto. comment est-ce que tu euh, est-ce que' ces absents pour toi ils sont ils sont justifiés bah, Immobilier, c'est dur pour lui, mais euh, quand, quand, quand vous marquez pas, c'est compliqué d'être présent. Quand on parlait de choix forts, ça ça en est, parce que Immobilier, à la limite, pouvait marquer zéro but de cette saison, au vu du statut qu'il avait avec l'Italie, c'est-à-dire d'être le numéro 9 toujours sélectionné, ça aurait pu être le cas. Mais là, Spalletti a été très clair. Euh, Immobilier sort d'une saison très compliquée, aussi d'un point de vue physique. Scamac a été largement plus, plus, plus présent, d'un point de vue des statistiques meilleurs. Donc j'appelle Scamac. Et puis, tu as, as raison, la. la, la la grande surprise, j'ai envie de dire, c'est pas Immobilier, c'est Locatelli. Alors lui aussi sort d'une saison pas simple. Alors, il faut toujours recontextualiser sous la juve d'Allegri, ce n'est pas simple, parce que ce n'est pas simple d'évoluer, etc. Aussi dans une position qui, selon moi, n'est pas la sienne, parce que pour moi, Locatelli n'est pas un légiste, mais une mezzala. Mais en tout cas, ça n'a pas été une bonne saison pour, pour Locatelli. Et puis, Spaletti a décidé de, de, de faire ce choix. Il a en conférence de presse, il a expliqué, il a dit peut-être que Locatelli n'était pas assez... Euh, assez bon pour, pour le rôle de légiste, de il s'en est excusé, etc. Mais voilà, ça, ça, peut être, ça peut être compréhensible. Et puis, euh, oui, le, le choix, l'absence notable, c'est vraiment celle de, de Locatelli, qui était quand même l'un des points forts de l'Italie lors du dernier Euro. Rappelle-toi, il est remplaçant. Et à chaque fois qu'il qu rentrait en jeu, c'était vraiment un sub impressionnant, jusqu'à devenir parfois même, dans certains matchs, notamment face à la Suisse, un titulaire vraiment très, très intéressant. Ah ouais, franchement je suis d'accord avec toi hein. Locatelli euh, lors de l'Euro c'était vraiment un super joueur et même globalement j'adore euh, le mieux qui était à sa solo sur certains matchs avec euh, la Juventus c'est vrai que moins de ce que j'ai vu de la Juve cette saison il était un, un cran en dessous mais comme tu dis il y a une espèce de, de contexte euh, allégri euh, qui est toujours prégnant mais c'est vrai que cette absence bah elle interpelle parce qu'on parle d'un cadre d'un joueur qui sortait euh, j'ai l'impression qu'avec l'Italie il faisait toujours le travail c'est quand même un choix fort de, de Spalletti euh, et on a vu à la réaction c'est vrai que par rapport à tous les autres joueurs que j'ai dans le sondage voilà c'est celui qui se détache Honnêtement, c'est vrai que même moi, ça m'a, dans une liste euh, même de, de 30, ne de pas le voir, c'est vrai que ça, ça ouais, bah Oui, comme tu l'as dit, regarde au milieu de terrain, tu vois des Richie, par exemple. Euh, tu, tu, tu vois. Par exemple, on peut noter aussi l'absence de Bonaventura. Je le vois dans les commentaires, mais c'est vrai qu'aussi Bonaventura. Mais euh, oui, le, le Catalyse, c'est vraiment la vraie surprise. Et comme tu as dit, ouais, c est, c est, quand on dit choix fort, je pense que le Catalyse, c'est le premier nom qui, qui sort. Parce que, encore une fois, oui, la saison est pas folle. Donc tu peux te dire, c'est mérité comme immobilier, etc. Mais là, on parle vraiment d'un point central de l'Italie depuis euh, 3-4 ans. Lors du dernier rassemblement, Locatelli euh, a même fait des prestations plutôt assez convaincantes, plutôt bonnes, etc. On le voyait plus pimpant avec l'Italie qu'avec euh, qu la Juve. Donc euh, voilà, c'est dur. Je sais que pour Locatelli, ça a été très très dur. Il l'a il il fait comprendre sur Instagram. Je pense que ça a été des heures compliquées pour lui. Il aurait voulu aller en Allemagne, mais voilà, euh, c'est voilà. pas c'est son. Euh, premier choix concret lors de cette euro il y a Azmal qui suggère que ça peut être voilà comme avec euh, Skamaka un électrochoc donc peut-être pour euh, l'obliger on verra avec les prochaines de toute façon si euh, Thiago Motta euh, avec la Juventus ça marche bien je, je, je me doute qu'un profil comme celui de Locatelli ça va, pierre, ça va plaire à l'ami Thiago et c'est vrai c'est un petit aparté mais euh, on a évoqué le nom de Sassuolo euh, club qui est descendu quand même c'est une sacrée surprise il y a Thibaut qui te demande mais comment est-ce qu'ils sont descendus parce que c'est vrai que bon, il y avait Berardi qui était blessé mais quand tu vois euh, les performances de l'Orienté tu vois l'effectif c'est vrai que Sassuolo qui est relégué c'est ouais, petite surprise quand même hein. Ah, D'ailleurs, Sassuolo a pris 6 points sur 6 cette saison contre l'Inter. C'est la seule équipe qui a battu deux fois ah, ah ouais, Aller-retour. Ah ouais. aller l'Inter. Ils, ils ont pris 6 points contre, contre l'Inter. Ils ont pris 3 points contre, contre la Juve. Euh, contre les gros, ils étaient là. Euh, mais malheureusement, quand tu ne gagnes pas contre tes concurrents directs, et puis il y a une, une seconde partie de saison catastrophique de la part de Sassuolo, la descente est euh, malheureusement méritée pour, pour Sassuolo. Et je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de gros clubs parce que Sassuolo face aux gros clubs, euh, C'était très très chiant, euh, très très chiant de jouer, mais la, 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 la descente est méritée, plus que méritée. C'est vrai que c'était un bon poil à gratter, et justement, vu, vu qu'on a parlé de, de l'absence de Locatelli, l'un des joueurs qui a intégré cette liste et qui a été une grosse surprise, c'est Fadjoli. Et comme tu dis, euh, Fadjoli ne va pas sauter de la, de la préliste, puisque enfin, comme il a joué très très peu cette saison, euh, ce serait étonnant que Spalletti le convoque, puis après le retourne, lui fasse euh, retourner à, à la maison. Mais c'est vrai que comment est-ce que tu expliques ce choix Est-ce qu'il y a quelque chose euh, chez ce joueur qui a beaucoup plu à l'entraîneur Est-ce qu'il y a une histoire de personnalité C'est vrai que bah, d'un point de vue extérieur, un joueur qui n'a pas joué de la saison, paf, qui arrive comme ça dans la liste pour euh, pour l'euro, c'est ah, quelque chose hein. Bah, à part si tu t'appelles à la limite un Mbappé, un oui. Cristiano Ronaldo, bref, des, des gros noms, tu peux te dire bon même si tu joues pas la saison, on t'appelle. Euh, là, Spalletti hier en conférence de presse, il a fait les éloges de, de, de Fagioli Joli. Il a dit techniquement parlant, je peux pas me passer d'un joueur comme ça. Et c'est vrai qu'avant sa suspension, je veux dire depuis son insertion concrète dans l'équipe première de la Juve, et on l'a vu depuis sa suspension, le milieu euh, bien connaît, on a pris un gros coup. Je veux dire techniquement parlant dans la gestion du ballon, Fagioli est tellement intéressant. Il a beaucoup beaucoup de maturité. Et euh, je me rappelle. Je, J'en avais parlé avec toi sur Twitch quand on parlait de la jeunesse de la Juve. En Italie, il y a cette difficulté d'aller donner la chance, par exemple, à des Miretti qui ont déjà un certain âge, qui n'ont toujours aucune sélection. Je c'était aussi le moment de, de faire des choix forts. Fadjoli, il n'a pas 19 ans. Euh, je veux dire, il arrive déjà à 23 ans, si, si je ne me trompe pas. Voilà, euh, au bout d'un moment, si tu ne le convoques pas maintenant, tu le convoqueras difficilement après. Donc, ça fait partie des choix qui peuvent être critiqués, mais on parlait des choix forts. Ne pas convoquer Locatelli, ça s'en est un autre. Mais techniquement parlant, je pense que Fagioli va apporter tellement de, de bien à cette équipe, Ball au pied pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur qui a vraiment vraiment du, du, du ballon. Et comme tu l'as dit, je serais surpris qu'il l'enlève de la liste au final des, 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 des enfin, quand la liste sera sera réduite, parce que au vu des paroles de, de Spalletti, euh, de oui de Spalletti hier, j'ai l'impression que Locatelli, euh, que Fajoli, pardon, sera vraiment convoqué. Ouais. Ouais, totalement. Et puis bon, puisqu'on qu'on parle de, de problèmes d'addiction au paris sportif, c'est vrai qu'on n'a même pas encore évoqué son nom même dans les absents majeurs. Mais c'est vrai que bah, de ne pas voir Sandro Tonali avec tout ce qui s'est passé et euh, le fait qu'il est rechuté en, entre guillemets à Newcastle, bah, c'est vrai qu'en termes bas de pas de creux générationnels, mais Todaï, tu vois, c'était un joueur qui était... Bah, était c'est un très très bon joueur, il est magnifique et tout, c'est des becs Newcastle, tu sentais encore la flamme, mais c'est vrai que il bah, y, a, y a un vrai gâchis pour ce joueur, le fait qu'il manque la Ligue des champions, avec Newcastle, le fait qu'il soit pas là avec, euh, avec l'Italie, comment est-ce que justement on perçoit euh, dans ce pays ces euh, bah, petits problèmes et son absence, parce que tu vois, on l'a pas encore évoqué, mais notre ami toi, eu, et comme le dit Thibaut, il a sacrément déconné. Non, oui, après, moi, je, 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 je le répète... Je, je dis toujours ça. Je suis personne pour donner des mmh. leçons, donc je pense que la, 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 la chose qu'on doit faire, c'est soutenir ces joueurs-là, les aider dans leur, leur phase de reconstruction. C'est ce qu'a c'est ce que ce qu a fait le club en l'occurrence, la Juve avec avec C'est ce que va faire très certainement Newcastle avec avec Tonali. Euh, ils savent. Enfin, je veux dire, Fagioli l'a compris. Ça a été une erreur. Il y a eu un parcours de, de réhabilitation. Il a fait plusieurs séances de, de thérapie. Il s'est. Euh, il, il a parlé à des jeunes élèves. De, de cette addiction même dans les différentes écoles il y a eu vraiment un vrai processus la principale euh, réaction c'est accompagner ce jour là les faire comprendre et puis voilà euh, ils reviendront euh, très vite sur, sur, sur les terrains je suis très content que fagioli euh, sorte de cette situation avec de la positivité c'est à dire vers une sélection mais j'ai nul doute que, Fadjoli, euh, que tonali reviendra aussi qui réussira à se reconstruire aussi sportivement parlant. Donc voilà, je, je, il faut, je pense, apporter ce, ce soutien à ces, ces jours là qui ne vivent pas des, des moments simples, euh, mais Tonali est conscient, évidemment, de ses erreurs. Ouais, euh, tout à fait. Et puis, euh, quand on pour terminer un petit peu sur le tour des absences, c'est vrai qu'il y avait un joueur qui avait fait un petit peu pareil lui, parce qu'il avait fait des, des, un démarrage canon avec l'Italie, mais il était avec Leeds, qui a été relégué. C'est euh, Nyonto, qui avait un profil offensif, c'est vrai, intéressant. Absence logique selon toi par rapport au fait que, bah, justement, il était peut-être moins mis en lumière en, en deuxième division anglaise, même si avec voilà, avec Leeds, il a lutté jusqu'au bout pour... Pour la montée bah, J'ai l'impression que Spalletti, ce n'est pas dans, dans ses idées, Nianto, parce que euh, bah, déjà, lors du dernier rassemblement, on l'avait plus ou moins compris. Donc, euh, je pense que ça sera difficile de voir Nianto sous, sous Spalletti. Alors, peut-être que lors du prochain rassemblement, après l'Euro, on le, on le verra. Mais euh, j'ai plus l'impression qu'à l'heure actuelle, c'est plus la place avec les U21 plutôt qu'avec l'équipe qu première. Ce qui est dommage parce que Nyonto a beaucoup de qualités. Et c'est vrai que ça a été le, le choix de Mancini. Parce que ça a été le premier vraiment à le, à le mettre en place avec, avec l'équipe première. Mais voilà, je pense que pour Nyonto, ça va être très compliqué sous Spalletti. Absolument. Et puis pour revenir, Elvin, sur cette liste et un petit peu rentrer en détail ligne par ligne. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais quand je vois un petit peu les, 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 les états de forme, les dynamiques, j'ai l'impression quand même que l'Italie va s'appuyer surtout sur une ossature défensive très intéressante avec des joueurs bah voilà, qui sortent d'une très très belle saison. Je pense aux interistes euh, d'Ibarco, Bastoni, même peut-être d'Armian. Je pense à Di Lorenzo qui a toujours répondu présent. On, on va en revenir après sur le, le 11 type, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une petite incertitude sur le joueur qui va accompagner Bastoni. On a Donnarumma qui... Souvent en sélection, j'ai l'impression qu'il a fait le, le travail, peut-être que tu me contrediras, mais j'ai l'impression que c'est euh, quand même un, un élément fiable. Mais c'est vrai que l'Italie va arriver au moins avec... Euh, on sait que euh, l'attaque c'est toujours un petit peu le doute, le milieu peut-être qu'il va manquer un peu de profondeur de banc, mais la défense, j'ai l'impression quand même que c'est costaud. Quoi. Et puis c'est la première compétition depuis plus de dix ans où tu joues ni avec Barzali, Bonucci ou Kellini. Donc il y a une sorte de révolution, tu, sais, tu, tu passes à autre chose. Donc euh, défensivement, oui, c'est une équipe qui... Euh... Euh, déjà sous Mancini, on l'avait vu déjà l'Euro, mais qui avait trouvé une certaine solidité avec des joueurs différents. Là, euh, bon, il y a beaucoup de points d'interrogation parce que ça va être ça va être nouveau. Tu as Bastoni accompagné de, 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 là aussi c'est un point d'interrogation. Di Marco qui est juste exceptionnel, même si sa saison est un petit peu moins bien que celle précédente, mais qui reste un, à gauche un, un, un monstre absolu. Donc euh, accompagné d'un Donnarumma qui tu as totalement raison sort toujours. Euh, sa euh, cape de super-héros avec, avec l'Italie donc euh, oui il y, y a de quoi faire maintenant encore une fois je pense que l'Italie si l'Italie veut performer ça passera pas seulement sur l'aspect dé défensif il faudra être cohérent partout mais défensivement on va dire qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant mais en charnière centrale il y a quand même beaucoup de points d'interrogation parce que tu passes à tout autre chose honnêtement défensivement j'ai quelques doutes moi personnellement j'ai quelques doutes bah justement on va essayer d'afficher cette équipe type pour prendre encore plus de hauteur et se projeter un petit peu sur ce qui peut attendre euh, l'Italie. Donc voilà, j'affiche la compo qu'on a créée ensemble par rapport aux au tendances aux dynamique. donc forcément euh, Donnarumma dans les buts, Di Marco Bastoni, Scalvini ou Mancini, Di Lorenzo, un milieu à trois avec Jorginho, Barella, euh, Fratesi ou Pellegrini, puis en attaque Chiesa, Scamaca, Orsoni ou Zaccani. Donc on peut voir quand même qu'il y a euh, un joueur par ligne qui est un petit peu dans, euh, dans la certitude. Oui, c'est ça. Il euh, y a quelques choix encore euh, à évaluer. Ça, Alors là, on l'a mis en 4-3-3. Spaletti n'a pas exclu, notamment le, le 4 2 3 -1. On verra. En attendant, on voit qu'il y a des choix, enfin, des choix euh, logiques comme Donnarumma, les, les, les points centraux. Hein. Donnarumma, Barella, notamment, euh, Chiesa. Scamaca en pointe. Et après, tu as certains joueurs qui vont disputer leur première compétition européenne. Et pour d'autres, ça va être des, des vraies phases d'évaluation, notamment, euh, je, par, je pense à droite en attaque, Orsolini, et, et euh, notamment Orsolini qui sort une très belle saison avec, avec Bologne ou encore euh, Zakagne. Euh, donc euh, non, tu as des choix avec des, quelques petits points d'interrogation, tu as des points centraux. Et tu as des joueurs qui vont devoir montrer euh, concrètement de, de bonnes choses. On a mis Di Lorenzo à droite, il y a aussi Andra Cambiasso qui peut jouer à ce poste-là, qui sort d'une saison fabuleuse avec, avec la Juve. Donc c'est aussi un effectif assez flexible où il peut se passer certaines choses, certains joueurs peuvent sortir remplacés par d'autres joueurs. Donc euh, honnêtement, euh, il, je pense que Spalletti peut brouiller quelques, quelques petites pistes. Et là, ces trois semaines de préparation vont lui servir à, à avoir une idée un peu plus claire sur, sur le 11-type. Totalement. Et puis il y a RDZ Foot qui euh, demande voilà, il a beaucoup testé la défense à 3 aussi, Spalletti, ce qui permet d'éviter le trou d'Eli à droite. Zakaï joue à gauche et tu ne peux pas démarrer lui, le roi avec Orson faire Sur euh, ce que tu as dit, c'est que Spalletti a, a commencé à, à, à parler justement de ce système euh, défensif. Lui, il partirait, c'est ça, il a dit qu'il envisagerait plutôt la défense à 4. Hein, même si voilà, c'est vrai que sur les derniers matchs amicaux, il avait testé contre l'Équateur et le Venezuela sa défense à 3. On partirait bien sur un système à, à 4 derrière. Après. Euh... Euh, pas, oui. Il a dit ça en, en conférence de presse Mais euh, à noter que bon, Peut-être qu'il changera d'avis lors de cette phase de préparation Tu sais ça va être aussi Un moment pour lui d'évaluer Calafioli Qui sort d'une belle saison quand même avec Bologne Donc pourquoi pas passer avec une défense à 3 avec Calafioli Mais à l'heure actuelle la défense à 4 Semble ben, ouais, la, la, plus, euh, la plus plausible On verra ce qui pourra se passer Mais, mais c'est vrai que quand je te parle de flexibilité On voit qu'il y a quand même des joueurs qui peuvent évoluer à, à, à 3 comme à 4 Donc c'est aussi là-dessus que l'effectif le, le de l'Italie Peut être intéressant toute proportion gardée évidemment avec une qualité d'effectif qui n'est pas exceptionnelle non plus. Mais c'est vrai qu'avec euh, cette proportion de défense centraux, comme le dit euh, Scrippy, euh, la défense à trois avec euh, Bastoni, à Scalvani, ça a trop de la gueule. Il euh, y a Stefata qui dit même les deux derrière, euh, Bastoni, à Bonjourno et, et Mancini. C'est vrai que euh, pour le coup on parle souvent du, du vivier de défenseurs centraux français, mais l'Italie, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Hein. Bah, euh, je pense que l'Italie, dans son histoire, a toujours. Oui, c'est vrai. Que, de, 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 de ce point de vue-là, ce poste-là, je pense vous que l'Italie est peut-être la sélection dans l'histoire la, la, mieux, la mieux lotie. Alors, évidemment, Bastoni, à la Fioris ça ce ne sera jamais la, la fameuse BBC de la Juve. Personne ne remplacera Maldini, personne ne remplacera Nesta, les Chiréas, tout ce que tu veux. Mais je veux dire, oui. D'un point de vue défense centrale, je pense que l'Italie a toujours eu un vivier intéressant, avec au moins un ou deux joueurs vraiment très très costauds. Bastoni n'est plus du tout un point d'interrogation. C'est une valeur sûre que ce soit avec l'Inter ou à la nationale. Et depuis quelques temps, maintenant, tu as quand même quelques petits points d'interrogation parce que Scalvini il est très jeune, il n'a pas une énorme point pas une, une énorme euh, expérience avec l'Italie. il paraît, J'adore ce joueur, techniquement parlant. Il a un pied gauche aussi très intéressant, mais on l'a jamais vu sous, sous ce maillot en équipe première. Donc, c'est légitime d'avoir quelques doutes sur, sur, sur la défense, honnêtement. Ouais, justement, tu parles de, de K.A. c'est vrai que c'est un joueur euh, bah, qui sort d'une très très belle saison avec euh, le Bologne de Thiago Mota qui a été convoqué logiquement euh, pour la première fois avec euh, cette équipe d'Italie. On parle de lui, tu me disais, c'est vrai, euh, parmi les rumeurs euh, pour arriver à, à la Juventus pour accompagner probablement son, 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 son entraîneur. Et c'est vrai que j'ai l'impression que bah, c'est une forme de récompense de légitimité. Est-ce que tu penses qu'il peut euh, pas brouiller les cartes, mais est-ce que tu penses que ça peut être euh, un titulaire, euh, pourquoi pas, bah, je sais pas, surprise Est-ce que c'est quelqu'un qui peut passer devant comme ça, euh, notamment avec l'option de cette défense à 3, est-ce que tu penses que Fury peut être une option concrète bah, Dans l'euro, euh, dans une compétition si courte finalement, avec aussi... Euh... Autant de pression, où tu ne dois pas louper des matchs, il peut y avoir des surprises. Moi, je me souviens de Dernier Euro, rappelez-vous, Chiesa débute sur le banc, hein. Berardi est devant, bim, Chiesa reprend sa place. Même discours pour Locatelli. Locatelli débute sur le banc, bim, il prend un peu plus de place dans cet effectif. Donc, je pense que Kalafiol, il peut avoir son mot à dire. Après, encore une fois, euh, je pense que ça, bah là, de toute façon, ça va être une phase pour, euh, pour, Sp pour Spalletti de, 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 de le tester, de pouvoir le tester, parce qu'il n'a jamais, jamais eu à disposition. Mais il est tellement intéressant, tellement en forme tellement précieux aussi de, de son pied gauche, même s'il y a déjà un gaucher dans cette défense centrale qui s'appelle Bastoni, qu'attention honnêtement à Calafioli. Ça peut être, euh, ça peut être ce, ce petit nom surprise euh, derrière. T'as raison. Non, je, je suis bien d'accord avec toi, et puis c'est comme euh, avec l'Allemagne, on a parlé euh, la dernière fois de, de Stuttgart euh, qui place pas mal d'éléments. C'est vrai que ça récompense aussi la très très belle saison de Bologne et voilà, Spalletti n'a pas fermé les yeux sur ça avec euh, Orsoini, qui est un joueur qui est très talentueux, on sait qu'il y a toujours un petit peu peut-être d'irrégularité. Kaffuri qui bah voilà qui était latéral euh, à la base, qui sort euh, bah, d'une superbe saison en, en défense centrale. Et, et la question que je voulais te poser, c'est vrai que voilà, je vois quelqu'un dans le chat qui dit la liste elle me fait pas du tout rêver. On parle souvent du vivier de l'Italie, peut-être d'un manque d'un creux générationnel. Toi qui as bah, beaucoup euh, regardé, étudié cette équipe, comment est-ce que euh, tu observes cette génération du 2024 Est-ce que tu estimes vraiment qu'il y a un souci euh, en termes voilà, de, de manque de talent Ou est-ce que tu penses c'est une petite tendance que ça peut se, se résorber Ou finalement, bah, l'Italie, voilà, elle peut aussi euh, avancer comme ça, à savoir il bah, y a ses forces en présence. À l'Euro 2021, bah, l'équipe, elle n'était pas non plus euh, pas les Avengers, et finalement, ça l'a fait. Est-ce que toi, tu es, es inquiet par rapport à cette fameuse question du, du réservoir bah, honnêtement, oui, mais si, si tu me demandes ce que ça date d'aujourd'hui, de, de, non. La question du vivier, ça fait, ça fait des années que c'est comme ça, surtout d'un point de vue offensif par-dessus tout. Mais il euh, y a un vrai problème de, de, de ce point de vue-là. Est-ce euh, que ça sera problématique en vue de l'euro Je ne pense pas, parce qu'il y a quand même des, des jeunes joueurs intéressants. Maintenant, euh, combien jouent dans, dans, dans de très, très gros clubs Très peu, finalement. La plupart jouent soit dans des clubs. Euh, voilà, de Serie A qui euh, luttent pour les places européennes, mais très peu jouent dans, dans de, de gros clubs. La plupart de l'effectif de l'Italie, c'est de la Serie A. Quand on compare évidemment aux autres sélections qui sont favorites, euh, l'équipe de France, le Portugal, l'Angleterre voulez, l'Allemagne, etc., il euh, y, y a des soucis de vivier. Ça, c'est inutile de se cacher, c'est la pure vérité. Mais malheureusement, si l'Italie continue comme ça... Et Le problème il est plus profond, on l'avait analysé aussi sur j'avais eu le plaisir d'en de, parler sur cette chaîne YouTube, sur, sur ton, ton te, cette chaîne Twitch, pardon, c'est que le, 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 le problème il est, il est dans le centre de formation. Combien de, de clubs donnent peu de chance aux jeunes? Euh, il y a ce problème de euh, cette fameuse passerelle qu'on avait analysée, tu sais, entre l'équipe série C et la a seulement à l'heure actuelle. La Juve et la Talenta ont inséré une passerelle entre donc les U-19 et l'équipe première. Euh, donc il y, y, y a un problème plus profond et malheureusement, ça se ressent sur ton équipe nationale. L'Italie, donc euh, ce problème, il est là, il est là depuis trop longtemps et il continuera à être là parce qu'honnêtement, pour le moment, il n'y a pas de, de réelle euh, décision prise et il faudra une, une réaction au plus vite. Maintenant, encore une fois, il y, 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 y a de la jeunesse, mais ce n'est pas une jeunesse flamboyante non plus. Non, mais c'est super intéressant parce que ce débat, comme tu as dit, on l'a déjà eu et est toujours pertinent pour comprendre un petit peu comment l'Italie pense et réfléchit à son système de, de, de formation. Et c'est vrai qu'on a des petits soucis. Et tu as dit une équipe comme l'Atalanta qui voilà, va mettre Scalvini et, et Ruggieri en finale contre les bah voilà, ça, ça paye plutôt bien. Et comme le dit Dylan, c'est vrai que pas mal de clubs pensent à faire comme la juve pour les U23. C'est vrai qu'on a parlé de ce système de, de juve next-gen, de quelque chose qui est assez pensé, concret, avec cette voilà, adversité en, en série c, en. En, en série D pour que ces jeunes puissent se faire euh, voilà les, les dents mais mine de rien c'est vrai que même un club comme la Juve qui était pas forcément réputé pour tout le temps lancer ses jeunes finalement ça a marché tu vois parce qu'on avait parlé avec euh, avec euh, voilà euh, avec Ildiz, avec Miretti avec Fagioli même un, un Cambiasso euh, qui arrive d'un autre euh, horizon c'est vrai qu'au final il y a quand même des, des systèmes de clubs qui le pensent et Asbel en plus nous dit Milan et Inter vont le faire dans les deux prochaines années donc euh, est-ce que tu penses qu'on va sur la bonne voie est-ce que bah, finalement les clubs italiens et je sais pas si la fédération met son petit grain de sel mais est-ce que tu penses que il y a une de conscience par rapport à ça, et c'est vrai, comme tu le dis, on voit partout des, 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 des clubs, des pays qui mettent en avant leurs jeunes joueurs, tu as parlé du modèle français, mais c'est vrai qu'après, on peut aussi évoquer, voilà, même dans terme dans une certaine mesure, chez les catégories de jeunes, on peut voir qu'il y a des très très bonnes choses au Portugal depuis longtemps, mais voilà, comme le, le dit notre ami Asmal, c'est vrai que les clubs italiens avancent, mais peut-être qu'ils ont une dizaine d'années de, de retard oui, ben concrètement. Moi je me rappelle, il y a un, un peu plus d'un an, euh, j'avais fait une conférence de presse à l'Alliance Stadium où justement la juge présentait ce, ce projet-là. Il y avait tous les, les, euh, les grands présidents des fédérations, etc., pour, pour ce projet. Et quand je me disais qu'il y avait seulement un club qui avait une passerelle en U23, depuis il y a la Talanta qui, qui a pris ce truc, qui a, qui, a, qui, a, qui a un club en U23, je me dis, c'est pas assez. Euh, alors, dans les commentaires, on parle de, de Milan-Inter. Il faut savoir que ces deux clubs ont l'idée des U23 depuis euh, presque cinq ans désormais. Mais au bout d'un moment, les discussions, ça ne suffit plus. Il faut, il faut des faits. Euh, dans les gros clubs italiens, aujourd'hui, tu as très peu de joueurs qui de, descendent des de formation. Euh, on parlait de la Juve, parce que je pense que c'est l'exemple le plus concret. Regardez le nombre de jeunes qui aujourd'hui arrivent à sortir. Tu as cité Miriti, Fagioli, antti caviglia les Elites, les Elings Juniors euh, et, et, et j'en passe. Les Dinhausen qui aujourd'hui à la Roma... Qui revient à la Juve. Euh, si tu veux sortir des jeunes italiens ou non italiens, il faut passer par une passerelle. Parce qu'aujourd'hui, le niveau entre les 19, qui est la primavera, et l'équipe première, est trop important. Et dans la mentalité italienne, il y a un gap qui est trop important et ce genre-là progresseront jamais. Un grand bravo à la Juve et à l'Atalanta d'avoir vu juste, d'avoir créé ce, ces projets-là. Et dans tous les cas, ça a déjà porté ses fruits, ça continuera à porter ses fruits. Mais au bout d'un moment, les discussions, ça ne suffit plus. Il faut des faits. Je sais qu'économiquement, ce n'est pas simple pour les clubs italiens d'aller développer ce, ce projet. Je sais qu'économiquement, ça coûte. Mais si tu as envie de progresser, si tu as envie que le football italien progresse, si tu as envie que ces jeunes-là soient identifiés et concrètement mis en équipe première, ce projet, il est euh, essentiel. Et il faut absolument que les clubs italiens Inter-Milan, et notamment les plus gros, hein, Inter-Milan, la Roma, le Napoli, suivent. Ah oui, tout à fait, c'est vrai que dans le chat ils affirment que voilà, Milan aura son équipe B la saison prochaine, donc au moins on va sur une bonne avancée en plus on a vu les, les très bons résultats de l'équipe U19 en, en, en Youth League, donc c'est vrai que ça va dans le sens. Et pour euh, continuer à la fois cette question de Vivier, mais aussi revenir sur la liste actuelle, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a beaucoup pas, pas surpris les gens, mais c'est vrai que quand on se projette, bah, l'attaque forcément, quand on regarde... Les forces en présence. Tu as, comme tu as dit, Skabaka qui sort d'une très très belle saison qui a et qui, en plus, a un profil euh, un peu euh, bah, qu que beaucoup aiment rechercher. Donc, forcément, ça, ça peut être un atout pour Italie parce que c'est le type de joueur que bah, d'autres sélections n'ont pas. On ne vont plus avoir, comme euh, par exemple la France avec, euh, avec Giroud. Et euh, tu Chiesa qui reste pour moi ce joueur un petit peu plus plus. Qui, euh, voilà, s'il se met dans une configuration comme à l'Euro, bah, c'est clairement euh, l'homme par qui euh, le déclic peut arriver. Et après, derrière, bah, voilà faut se passer peut-être euh, sur. Euh, des choix un petit peu secondaires. Comment est-ce que tu Toi cette attaque de, de la Squadra de Jura Bah, Tu l'as très bien dit, Kiesos, c'est la star de toute façon de cette équipe. C'est le, le joueur un peu, on va dire, classe mondiale hein, qui peut te faire la différence à n'importe quel moment. C'est le joueur qui se discute pas. Ensuite, oui, euh, Scamac, c'était un choix logique. Alors. C'est vrai que sa première partie de saison est un peu moins bonne que la deuxième, parce que la deuxième, il a, il a vraiment nagé, notamment les, les deux derniers mois. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même des points d'interrogation. Est-ce que ça n'a pas été un moment de grâce, euh, une parenthèse pour Scamac Est-ce qu'il va concrètement pouvoir s'imposer se, 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 avec l'Italie Parce que malheureusement, ça fait tellement longtemps que la malédiction de ce fameux numéro 9 euh, dure. On y croyait avec Immobilier, par exemple, et finalement, ça n'a pas marché. Euh, Qu'on se dit, est-ce qu'un jour, un numéro 9 va concrètement euh, s'imposer euh, cette attaque, elle n'est pas incroyable. Je veux dire, y a, y a, honnêtement, c'est des joueurs de seconde zone pour la plupart. Des joueurs parfois qui euh, sont là de, depuis quelque temps, mais qui n'ont pas montré grand-chose comme, comme El Sharawi. Mais tu as quand même voilà, quelque chose d'intéressant à, à, à faire. Mais si tu me demandes, est-ce que tu vois une attaque classe mondiale, je dis qu'un seul, c'est Chiesa. Pour le reste, c'est des attaquants de Serie A. Voilà, des attaquants de, de championnat italien qui ne sont pas forcément incroyables. Mais euh, moi, honnêtement, j'attends beaucoup de Scamac, par exemple, j'attends beaucoup de Retegui qui a montré de bonnes choses malgré tout avec la nationale, et j'attends une certaine confirmation de la part d'Orsolini, même si c'était un contexte différent, même si Bologne a surnagé, etc. J'attends beaucoup de cette attaque, mais c'est vrai qu'il y, y a des doutes, il y a beaucoup de doutes. Un petit peu à l'image de ce qu'on ce qu répète pour le moment avec cette équipe-là, hein. c'est-à-dire qu'il y, y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. Ah, c'est sûr que c'est une équipe qui va arriver, voilà, avec, euh, comme tu as dit, ces petites incertitudes, mais ça va être bien de voir s'ils vont se mettre. voilà, Il y a les matchs amicaux qui vont arriver, s'ils vont se mettre aussi au, au diapason au, dès le début de l'Euro. Il y avait une affirmation de Florian qui m'intéressait parce qu'il disait que Kéza, c'est plus le même depuis sa grosse blessure. Et forcément, je vais m'appuyer sur ton expertise turinoise. Toi qui le vois bah, évoluer à chaque journée, toi qui l'as vu revenir de blessure, comment est-ce que tu juges justement cet état physique et euh, le, la différence entre le Kéza d'avant et d'après c'est sûr que physiquement, c'est euh, le, po enfin, le point faible de Chiesa, c'est-à-dire que si physiquement il n'est pas bien, c'est sûr que derrière, ça, ça se ressent et les équipes dans lesquelles il joue, là aussi, ça se ressent et l'Italie aura besoin d'un Chiesa. Malgré tout, enfin, je veux dire, même à 70 qui est assez le folie classé de cette équipe, c'est le joueur qui peut te faire la différence à n'importe quel moment. Il faut dire qu'il est sur une fin de saison plutôt assez intéressante. Il se prépare plutôt bien pour l'Euro. Euh, il est sur deux mois euh, globalement assez convaincant. Euh, alors là aussi, on parlait de Locatelli, Il faut en contextualiser par rapport à la Juve d'Alegri. Chiesa ne jouait pas sur un côté, il jouait dans une attaque à deux, et on l'a vu euh, dès qu'il joue sur un côté, c'est dévastateur. Là, les deux derniers matchs sous les ordres de Montero, Montero l'a mis sur, sur le côté et on sent une différence dingue. Euh, donc, oui, physiquement parlant, c'est normal d'avoir des doutes et je pense qu'il doit y en avoir. Maintenant, est ce que Chiesa euh, est ce qu'on doit avoir des doutes sur la capacité technique et tactique de Chiesa à développer quelque chose d'intéressant dans cette Italie? Non, parce que c'est le point central de, de l'attaque de la nationale. Non, ça c'est sûr, c'est vraiment le joueur En peu, soit quand on garde ce, cette souvenir de l'Euro 2021, comme tu as dit, qui est clairement monté en puissance et il a su bah, débloquer euh, beaucoup de, de situations. Euh, c'est vrai que as, parmi les joueurs que tu as cités, il y en a un qui, pas intrigué, mais qui a interrogé, quand on a vu sa présence dans la liste, il y en a qui ont dit, ouais, on est en 2013, c'est Stéphane El-Sharawi. Euh, tu as t dit, est-ce que euh, Spalletti recherche pas finalement euh, pour accompagner Chiesa et, et, et Skamaka Est-ce qu'il recherche, cette recherche du troisième homme, Avec euh, voilà, on a parlé d'Orsoini, on a parlé de Zakani, est-ce qu'il recherche pas ce, 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 ce joueur qui peut être le plus compatible avec ces deux-là, peut-être aussi d'un point de vue des efforts défensifs, mais c'est vrai que le, le fait de voir El Sharaoui, peut-être qu'il a une petite idée derrière la tête, je, je ne sais pas. Bah, El Shaoui, non, bah, de toute façon, c'est un joueur qui a toujours été convoqué, c'est vrai qu'avec la, la nationale. Et maintenant, il faut dire que c'est un joueur qui a un grand sens de professionnalisme, il se met toujours à disposition. Bon, jamais un mot de travers, El Shaoui, c'est le joueur qui va se faire les efforts. Avec la Roma, pareil, un, un sub qui avec certaines entrées plutôt intéressantes. Alors, un joueur qui manque de continuité. Mais euh, on va dire que c'est un choix, oui, peut-être de, de sacrifice, un joueur avec un tout petit peu plus d'expérience, qui peut apporter un peu plus voilà, cette expérience-là. Maintenant, honnêtement… Il ne faut pas attendre une, une grande différence de la part d'El de, 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 Sharawi, qui euh, a une carrière qui a tellement stagné, qui n'a vraiment jamais pris l'envol le, le, qui, euh, qui, 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 que, que sa carrière devait prendre. Donc euh, ça va être un joueur intéressant sur le banc, mais là aussi, est-ce que Sharawi va réussir à apporter quelque chose à cette équipe J'ai des doutes. En Italie, euh, par rapport à, à cette compétition, comment est-ce que sont les, les observateurs, les médias, les journalistes Est-ce qu'ils ont un petit peu cette... Euh... Pas cette pression, mais comment est-ce qu'ils ressentent euh, voilà, finalement le retour de l'Italie Parce qu'il y a eu cette absence à la Coupe du Monde 2022. Comment est-ce que l'atmosphère voilà, médiatique, elle se, elle se ressent selon toi Déjà, Alléluia. Euh, L'Italie dispute une, une grande compétition, ce qui doit être la normalité. Hein. Sauf que, malheureusement, comme je te dis, il y a un cas qui s'est créé avec la Coupe du Monde. Donc, il y a toujours cette peur. Euh, moi, la sensation que j'ai, même en discutant avec certains collègues en Italie, c'est que. L'Italie arrive en tant que, euh, que tenante du titre, par exemple, mais il euh, y a cette, euh, cette sensation aussi de légèreté, se dire, elle fait pas partie non plus des, des grandissimes favoris, il y a un effectif d'outsider, tu as un nouveau projet qui se crée, dans tous les cas, zéro pression, euh, du moins après la phase de groupe, parce que pour la phase de poule, l'Italie euh, doit absolument euh, passer. Donc, euh, je pense que. Si l'Italie passe la phase de groupe, ensuite il y aura beaucoup de légèreté. Ça ne sera que du bonus. Non, pas parce que l'Italie ne doit pas être compétitive, hein, ce n'est pas ça que je dis, mais elle est tellement dans une phase de reconstruction avec beaucoup de points d'interrogation que, tenante du titre ou pas tenant du titre, ça ne doit pas devenir une pression. L'Italie a fait un très, très beau parcours. Désormais, c'est confirmer ce beau parcours tout en étant la tête légère, consciente que c'est une équipe qui doit petit à petit redevenir compétitive sur la scène européenne. Je ne sais pas, est-ce que la, la dynamique aussi européenne des clubs, est-ce que ça peut compter, euh, peut-être pas là sur cette euro, mais dans un avenir proche, à savoir que voilà l'Italie a terminé euh, en tête euh, du coefficient FA sur cette saison. On a beaucoup parlé du fait que l'Italie puisse envoyer voilà, une vingtaine d'équipes dans les compétitions européennes. Finalement, ce sera peut-être un petit peu moins le cas, mais on a quand même voilà, cinq équipes qui seront en, en Ligue des Champions. On a une équipe voilà, qui a terminé, vois, dans la PL, euh, la Bundes, la Liga, donc c'est quand même pas rien. Est-ce que tu penses que... Ce, ce dynamisme des, des clubs peut profiter à, à court terme à la Scandinavie De bah, toute façon, l'Italie a toujours été... Euh, euh forte, convaincante, lorsque tu avais un championnat qui était très costaud. Alors évidemment, dans les années 90, c'était le meilleur championnat du monde, c'était le championnat qui était au-dessus de tout. Tu avais des clubs italiens en finale de, de Coupe d'Europe. Et, euh, et tu le vois, dans les années 90, l'Italie n'a pas forcément remporté euh, de, de, de grands trophées. Donc c'est pas forcément une, une, une chute logique, ce n'est pas parce que tu as l'Italie... Euh, euh, une Serie A forte que l'Italie deviendra forte, mais ça aide, ça c'est clair et net, parce que euh, et là aussi il faut être clair, il faut des gros, faut que les gros clubs italiens soient convaincants pour que la nationale soit soit d'une grande qualité. Je pense à l'Inter, Milan, surtout Milan et la Juve qui ont surtout euh, toujours été les les, les épines dorsales de, de cette de cette équipe là. Donc euh, la Serie A plus elle est compétitive, plus ça aidera évidemment la nationale et mais n'est pas une vérité en soi. J'ai encore deux questions pour, pour terminer cet échange et je te remercie encore Elvin, euh, bah, pour les réponses très très pertinentes. Ça fait super plaisir de pouvoir échanger avec toi sur la aller euh, L'Italie va accueillir en 2032 euh, l'Euro avec euh, la Turquie. Euh, à quel point est-ce que c'est un objectif qui va être euh, prégnant pour les dirigeants On sait qu'on parle notamment aussi, tu sais, de la vétusté des stades. Euh, est-ce que ça peut amener un projet euh, voilà, on a beaucoup parlé tu sais, de la formation des jeunes, à une vraie vision pour que l'Italie ait une équipe forte pour euh, accueillir cet Euro. Comment est-ce que cet horizon 2032, il est déjà présent peut-être aujourd'hui Est-ce que tu ne ressens pas encore tout à fait ces huit ans d'attente Dans huit ans, ça va être compliqué de te dire ce qui, ce qui se passera. D'un point de vue des stades, il y a une vraie refonte à faire parce qu'il y, y a très peu de stades qui sont aux normes aujourd'hui. Tu as deux stades, on va dire, modernes, évidemment l'Alliance Stadium, voire le stade de l'Oudinez. As des stades qui doivent euh, être revisités, comme le, le, le Maladone du Napoli qui est tout simplement vétus. L'Olympico, on verra ce qui pourra se passer, parce que là aussi, il y a des... Est-ce que la Roma, l'a là, etc. Il y a le fameux nouveau stade pour, pour Milan et l'Inter. Donc, bon, on verra ce qui pourra se passer d'un point de vue des stades, mais euh, par rapport à la Turquie, c'est ridicule. La Turquie est largement devant euh, de ce point de vue-là. D'un point de vue de la jeunesse, d'ici huit ans, j'ose espérer que l'Italie réussira à... Euh, être un pays d'un vivier intéressant, développer de, de jeunes joueurs. D'ici 8 ans, il restera très certainement très peu de joueurs de l'équipe actuelle, des Donnarumma peut-être, mais très très peu de jeunes. Donc ça va être un horizon important pour la rénovation des stades, mais surtout voilà, faire confiance à ta jeunesse, construire un vrai projet, construire un projet cohérent, parce que oui, l'Italie dans huit ans devra être l'équipe favorite pour l'Euro. Ouais, tout à fait, puis j'avais mis en, en sondage juste pour l'Euro 2024 qui sera le meilleur atout de l'Italie, c'est Chiesa qui a terminé euh, d'une courte tête devant Barella donc voilà les deux hommes forts euh, que le, le chat euh, ouais. met en avant. Et puis bah, forcément pour terminer, c'est toujours une petite question sur le vivier et tout, je vais afficher la photo de Camarda, ce jeune attaquant de la Sémilan dont tout le monde parle, est-ce que voilà d'ici euh, quelques années tu vois des, des joueurs euh, comme ça émerger pour devenir des, des nouveaux atouts, des nouveaux hommes forts pour, euh, pour, euh, pour l'Italie bah, tu en as beaucoup, tu as, as raison de, de citer le, le, jeune, le jeune Milanais. Euh, voilà, il en avance sur, sur son âge, euh, ça fait partie des, des jeunes joueurs. Après, à l'heure actuelle, euh, c'est vrai que si tu me donnes. Si je dois te citer des jeunes joueurs, évidemment Miretti, qui, qui, avec la Juve Progrès, et on verra où il, où il sera d'ici quelques années. Louis Assa, que j'en je avais, avais déjà parlé sur, sur, sur ta chaîne. Qui est là aussi un très jeune joueur, mais très talentueux. Je pense à Christian Volpato de Sassuolo. Endur, qui selon moi a beaucoup de qualités. ça n'a pas marché au PSG, mais là aussi il y a beaucoup de qualités. Giovanni Fabian de, de Bologne. Donc, euh, bon, je ne vais pas te jeter des noms comme ça euh, parce que ça n'a aucun sens, mais on va dire que si l'Italie fait confiance à sa jeunesse, la jeunesse elle est là. Je veux dire, tu as des joueurs qui peut-être ne sont peut-être pas au niveau de l'équipe de France, mais euh, tendons la main à ces jeunes joueurs-là. Euh, Faisons-les grandir d'une bonne manière et vous verrez les bienfaits pour, pour la nationale. Et parce qu'encore une fois, on en parle peu, mais oui, l'Italie a des jeunes intéressants. Mais le but suprême, c'est les intégrer dans les équipes premières, leur donner concrètement les chances et ne plus avoir peur de leur dire Toi, tu peux jouer aujourd'hui en équipe première. Non, bah écoute, euh, sur ces belles paroles, on va pouvoir euh, conclure tranquillement l'émission. C'est vrai que Stéphata, lui, il des sites, euh, voilà, euh, Casadei, Fabian, Bové Gallo Fabian qui sort très très bien avec Bologne, c'est vrai qu'il fait bien de le dire. Donc, euh, forcément, euh, bah, voilà, comme tu dis, il y, y a des prospects, il y a du potentiel. Maintenant, il ne reste plus qu'à leur faire confiance, et les lancer sur, sur les bons rails. En tout cas, bah, merci beaucoup, euh, Elvin, de m'avoir accompagné sur cette spéciale Italie. J'ai l'impression qu'on a fait euh, globalement le tour. Est-ce qu'il y aura un point que tu voudrais évoquer pour terminer Je pense qu'on a été assez, euh, voilà, euh, euh, exhaustif sur le, le sujet, mais peut-être que de ton point de vue, il y a un petit truc à, à rajouter Non, je pense qu'on a été, euh, ça a été très intéressant. Je t'en remercie évidemment. Désormais, euh, je pense que ça va être, euh, je voulais terminer là-dessus. L'euro, euh, ça va être un point de départ pour, pour l'Italie, pas forcément un point final, mais un point de départ. Un point de départ, euh, ça va être fantastique pour pour Spalletti de diriger cette, cette équipe-là. Je pense qu'avant tout, cet effectif-là doit prendre du plaisir. C'est un effectif avec peu d'expérience qui va disputer pour, pour la plupart de ces joueurs une, une première expérience internationale. Euh, le fait d'être tenant du titre ça doit ne pas ça doit pas devenir une, une pression et nul doute que l'italie encore une fois lors de 7 euros va être une équipe à suivre, et je l'espère et j'ai vraiment aucun doute ben voilà, c'est parfait. Euh, merci encore une fois, Elvin, d'être venu en cette émission. C'était euh, comme la dernière fois sur euh, la Juve, bah, super, euh, super intéressant. On rappelle un petit peu ton actualité, t'es journaliste sur euh, 90 minutes FR, tu suis beaucoup la Juventus et la Serie A. Euh, euh, donc voilà, qu'est-ce qu'on peut retrouver un petit peu comme peut-être petit papier Je vais aussi mettre en lien ta chaîne YouTube où tu fais euh, pas mal de, de focus euh, sur la sur la Juve. Ben oui, après vous pouvez me retrouver sur les antennes de l'équipe. Il y a les matchs de préparation, donc il y aura plein de matchs, que ce soit l'Italie, il y aura d'autres matchs. N'hésitez pas à regarder les matchs de préparation sur, sur l'équipe, où je serai euh, évidemment en commentaire, mais tous les autres, les, tous les autres collègues. Euh, pour ceux qui suivent euh, qui adorent la Serie A, voilà, je pense qu'on euh, va, on va se, se régaler la saison prochaine, même dit soir pour la Juve et pour, pour le Mercato avec le nouveau départ et l'arrivée de, de Thiago Motta. Mais euh, voilà, je pense que tous, tous, euh, tous ensemble pour retrouver une Serie A fabuleuse. Et euh, je pense que la saison prochaine, on continuera à se, se divertir pour raconter. Euh, le plus beau championnat du monde. Excuse-moi d'être chauvin. Ah, ah bah t'as raison, moi j'adore euh, j'adore l'Italie depuis tout petit et je suis très content de voir aussi euh, bah, voilà, qu'il y a quand même eu un, un petit retour en force et ça fait grandement plaisir. Il y a euh, Sabatino qui te dit euh, bravo pour tes commentaires en coupe d'Italie sur la chaîne de l'équipe. Donc euh, c'est vrai que ça fait bien plaisir de, de voir aussi que tu puisses euh, arriver à la télé et puis commenter des équipes en Italie. C'est vrai que c'est formidable. donc euh, très très belle expérience pour toi. Encore une fois, merci euh, merci Elvin d'être arrivé sur cette émission pour nous parler bah, de cette équipe qui va voilà, nous, nous faire peut-être rêver dans le... En Allemagne, on espère que ce groupe B assez, assez relevé. Merci à toi, merci à, à vous tous les, les amis et Forza Nationale pour l'euro. Et bien voilà, le, le mot est dit, le terme est, est annoncé. Et puis voilà, merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Si vous voulez rattraper le replay, il sera disponible sur YouTube demain, pareil en, en podcast, sans clan, Deezer, Spotify, Apple. Donc voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end et à très vite les amis. Salut! Bye, ciao!